Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribon. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, tous abonnés, abonnez-vous tous et dites-nous qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir si vous avez tout essayé et ça n'a pas marché. Quoi? De quoi s'agit-il? Nous allons tout vous dire dans cette vidéo. En fait, vous allez voir de vous-même des gens, des personnes qui ont tout essayé pour réussir dans la musique. Pour être célèbre, pour être superstar comme les autres. Mais ces personnes-là ont échoué. Alors, ces personnes se sont renseignées sur comment faire pour réussir dans ce domaine. Ils ont fini par trouver quelque chose que nous allons vous montrer ici. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Allons au studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche de la TV, soyez prêts. Parce que ce que nous allons voir ici, c'est pas du jeu et ça, c'est grave. Que vous voyez comme frère et soeur, regardez ça. Wow! Qui sont ces personnes, ma frère et soeur? Wouh! Wouh! Le pacte avec le diable. Nous sommes dans une autre dimension, ma frère et soeur, soyez prêts. Le pacte avec le diable existe bel et bien. Il y a des humains sur la terre qui ont décidé d'entrer dans ce domaine. Et ces personnes que vous voyez même à l'écran, ce sont des personnes qui ont tout fait pour réussir, mais c'est échoué. Alors, ils ont décidé d'apprendre à faire des choses qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Et ils se retrouvent ici à apprendre à faire de la sorcellerie. Et on voit le triangle en haut. Et ils ont bien écrit ici. Pyramid eye on his forehead. Ça veut tout simplement dire, il y a une pyramide sur son front. C'est pas là pour rien. Mais d'abord, que s'est-il passé dans la vie? Nous allons bien sûr ce qui s'est réellement passé dans la vie. Et vous allez voir que, décidément, les gens vont entrer dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. On voit une pyramide en dessous d'une guitare et on la voit en train de chanter. Au départ, il chantait ici. Il chantait juste là comme ça. Mais ça ne marchait pas. Ils essayaient de faire certaines choses. Mais regardez là. Il a fait 666 avec les doigts. Mais c'est chaud. Et ils vont continuer à apprendre. À chercher à savoir comment faire pour réussir. Parce qu'ils ont tout essayé. Et ça ne marche pas. C'est à ce moment-là qu'ils vont arriver dans un endroit sur Internet. Où ils vont apprendre à faire ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Ils vont maintenant entrer dans une autre dimension où ils vont découvrir des choses qui sont censées être cachées, des choses qui sont censées être réservées aux personnes qui se trouvent dans le domaine des ritualistes. Et c'est ça. Vous voyez ça? Là, ils ont allé sur Internet et ils ont découvert que pour pouvoir faire le pacte avec le diable, il faut faire des triangles pareils. Mettre des bougies aux extrémités et il faut tout simplement prononcer une incantation. Mais vous devez savoir qu'à l'intérieur de ce triangle se trouvera leurs œuvres. Ça peut être peut-être un album, ça peut être aussi un sacrifice offert aux démons qu'ils vont invoquer. Et ce démon-là, c'est le démon Baphomet et c'est lui-là même qui donne le succès aux gens. Et finalement, les gens vont se retrouver dans les problèmes. Tout simplement parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Ils ont désiré réussir, mais ça n'a pas marché. Et finalement, vous allez voir, regardez ça. Ils sont dans les satanistes. Et voici une personne célèbre qui va nous confirmer que ça existe. Et cette personne va nous expliquer comment elle est entrée dans ce domaine. Elle parle en anglais. Elle nous dit qu'elle souhaitait être une bonne personne, une personne qui chante pour Dieu, qui chante pour adorer Dieu. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Et puisque ça n'a pas marché, elle a dû vendre son âme au diable. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est ce qu'elle a tenté d'expliquer à cette femme qui est là. Vous voyez? Et nous allons voir ça comme ça. Nous allons penser que c'est de la blague. Nous allons penser que c'est de la rigolade. Mais c'est réel. Quand les gens finissent de voir des âmes au diable,
ce qu'il vous faut maintenant, c'est de mettre des symboles occultes en plénitude dans les clips. Comme vous le voyez, on voit ici plein de symboles occultes. Et vous voyez ici encore, on voit encore le soleil. Tout ça, ça signifie quelque chose. Tout ce que je trouve même sur cette image a une signification. Là, les gens sont entrés dans le satanisme. Ils sont appelés à se connecter au démon, à se connecter au diable. Et vous devez savoir que pour faire le pacte avec le diable, il faut signer le contrat avec son sang, son propre sang. Tu prends ton sang pour faire la signature. Pour devenir célèbre, on va te dire qu'il faut vendre ton âme. Et ça, vous pouvez retrouver ces informations juste dans la vidéo précédente. Elle apparaîtra sans doute à la fin de cette vidéo ici. Ça veut dire qu'il est donc possible d'apprendre à faire les pactes avec le diable, à apprendre à faire des pratiques mystiques pour devenir célèbre ou avoir de l'argent. Mais c'est dangereux. C'est une voie mauvaise qu'il ne faut pas emprunter. Il ne faut pas emprunter cette voie-là parce que si vous empruntez cette voie, vous serez enfermé dans une cage. Une cage. Vous voyez, on voit une femme qui est enfermée dans une cage. Elle est carrément enfermée dans cette cage et vous la voyez physiquement. Elle est toujours bien habillée. Elle est toujours en train de marcher sur les tapis rouges, mais en esprit, elle est emprisonnée comme ça, dans une cage. Regardez. Et elle veut aussi communiquer cette prison-là à toutes les personnes qui vont l'aimer quand elle deviendra célèbre. Elle dit que toutes les personnes qui vont se mettre à aimer ses œuvres, et même si c'est une musique, à écouter ses musiques, toutes ces personnes seront en train de prendre part à ce qu'on appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. Et ainsi, les gens vont rentrer dans des problèmes plus tard. Juste en chantant une chanson, toi tu peux te retrouver dans les problèmes. Récemment, on a découvert que même dans les chansons, il y a des paroles qui sont des incantations. Des paroles qui sont carrément des incantations. C'est-à-dire que quand tu chantes une chanson, il y a la parole, les paroles. Et tu imagines que les paroles sont des incantations qui sont juste là pour lancer un sort sur les gens. Lancer des sorts sur les gens. C'est comme un homme expliquait qu'il y a un groupe d'artistes, eux, ils ont fait leur musique. Et on leur a dit que pour pouvoir avoir du succès, il faut qu'eux, ils mettent sur l'arrière de leur CD là. Ils mettent à l'arrière des paroles renversées. C'est-à-dire, il y a un petit paragraphe qui est renversé. Ce sont des paroles mises en envers sur la pochette de l'album. Ça fait que toutes les personnes qui achètent l'album, ces personnes-là tombent sur ces écritures-là. Et par curiosité, certains vont se mettre devant les miroirs. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisque l'écriture est renversée, pourquoi bien lire cette chose? Il faut se positionner devant un miroir. Donc, il faut se positionner devant le miroir et ces gens-là se mettent tous à réciter ou encore à lire ce qui est inscrit ou encore ce qui est inscrit à l'envers, qu'ils ont pu lire grâce à ce miroir en question. Et finalement, les gens lisent des paroles qui sont en réalité des incantations ou des paroles de malédiction qui font prendre effet sur ceux qui vont les lire. Oui! On n'y croyait pas, mais aujourd'hui, on commence à comprendre. Parce que, regardez même à l'écran. On voit une femme qui était chantée tranquillement. Et pendant qu'elle est en train de chanter, on voit qu'elle sort de l'eau. Elle sort de l'eau avec un requin qu'elle va maintenant jeter sur tout ce, sur la caméra, en fait. Sur la caméra. Et tous ceux qui regardent ça. Hein? Ça a l'air simple. Mais les gens ont analysé ces situations. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils vont nous montrer ici. Regardez très attentivement ça. Voyez-vous quelque chose? Vous ne voyez pas la présence des requins. À condition que vous avez déjà regardé cette vidéo, que vous avez découvert ce qui se trame à l'intérieur. Ça veut dire que Dieu vous a vraiment fait découvrir ce que vous devez découvrir réellement. Et vous allez voir que cette chose en question là, ça se trouve là au milieu ici. Juste là au milieu, vous allez voir apparaître quelque chose qui était caché. Là, on va bien monter. Regardez ça. Là, on voit que il y a vraiment quelque chose qui se fait dessiner ici.
On dit la sorcellerie, c'est l'ancien sort. Et la musique est faite pour charmer les gens. Et pendant que vous regardez le clip, on vous lance un sort. Et vous allez voir que ça sera positionné là. C'est comme un requin qui vient pour dévorer les gens. Et en même temps, on regarde, c'est la tête d'une chèvre. C'est comme si c'est la tête d'un démon qui était aussi positionné là. Waouh! C'était bien caché, hein? C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux qui se trouvent dans les clés. Un message subliminal, c'est un message caché qui se trouve dans un clé. Donc, on peut lancer des sorts sur les gens juste par la musique. Si vous ne croyez pas, aujourd'hui, vous avez votre réponse. Avant, je ne croyais pas. Je me posais la question de ça, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Comment ça peut se faire? Mais regardez-vous, regardez ça. Oui, ça devient de plus en plus réel et visible. Les gens apprennent à faire de la magie pour réussir. Et on leur demande d'envoûter les fans. Regardez par exemple ici. Là, vous les voyez en train de danser ici comme ça. Attendez, vous allez voir. On leur demande d'apprendre la musique, de mettre de la sorcellerie dans leurs yeux, dans leur musique, juste pour envoûter les fans. Et ici, vous voyez les gens qui sont juste là. Ils sont juste là arrêtés dans un spectacle. Là, il y a un événement très regardé à la télévision qui a lieu. Et les gens sont tout simplement arrêtés là en train de chanter. Et pendant qu'ils sont en train de chanter, la chanson est là, vous allez même écouter. Vous allez dire, oh, ces jeunes-là, ils chantent bien, comme la musique est bonne. Peut-être que vous êtes en train de dire, oh, comme la musique est bonne, eux déjà, ils sont en train de faire un truc. Et le truc, c'est de faire le satanisme, la sorcellerie. C'est-à-dire lancer les sorts sur les gens, la malédiction sur les gens à grande échelle. Parce qu'en réalité, les démons, eux, ils nous cherchent. Juste en aimant une musique ou encore ce qui se passe ici, toi, tu peux recevoir la malédiction directe. C'est en ce moment, les gens doivent beaucoup prier pour que Dieu puisse opérer des grands miracles dans la vie. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a regardées à la télévision qu'ils ont plongé dans une autre dimension. Il y a un jeune ex-sataniste qui nous disait que il y a un jeune homme qui voulait réussir. Il voulait réussir, il a tout essayé. On lui a dit que, bon, puisque tu as tout essayé, ça ne marche pas, viens, nous tu vas entrer dans notre secte. Et quand il est entré dans cette secte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné un CD, on lui a dit va à la maison, regarde le CD. Quand tu vas finir de regarder le film, tu vas voir, tu vas revenir ici, on va t'envoyer aux États-Unis où tu vas faire des bons vrais business là-bas. Et lui a cru. Et quand il arrive à la maison, il a commencé à regarder le CD. Et c'est à minuit, on lui a dit de regarder le CD. À une heure bien précise. Et quand il s'est mis à regarder le CD, à un moment donné, là, il a découvert que ses nerfs ont commencé à s'étirer. En fait, il était en train de participer à ce qu'on appelle un rituel. En fait, de ce qu'il regardait, qu'il voyait comme un documentaire, au fur et à mesure qu'il regardait la chose, il entrait directement dans le monde des ténèbres. Il était en train de se faire initier carrément comme ça. Juste comme ça. C'est Thomas Denner. C'est un risque pour eux-mêmes retrouver si on se voit ici. Quand nous regardons toutes ces choses, on a du mal à y croire que c'est vrai. Mais regardez ce que ça donne après. Comment vous pouvez imaginer qu'une personne normale puisse arriver jusqu'à ce niveau-là, à faire tout pareil? Et ces gens-là parlent d'un génie, du génie. Elle vous dit qu'elle est un génie et que son génie, c'est quelqu'un qui l'a aidé, c'est quelqu'un qu'elle aime. Et elle nous parle de son génie, elle nous propose son génie, elle veut que nous aussi, on arrive à aimer également son génie. Et son génie, c'est comme ça qu'il s'habille. C'est comme ça que ce génie veut que cette femme-là soit. Il veut qu'elle soit comme ça, juste comme ça, dans cette mentalité-là. Et ces choses, déjà, ce sont réelles. Regardez ce que ça donne. Vous vous posez la question, mais pourquoi les gens portent des talons pareils? Aujourd'hui, vous devez savoir que les démons n'appellent pas les talons. Hein. Ils appellent les talons des sabots. En fait, les talons font marcher les femmes comme des démons. Et ça se prouve ici. C'est réel. C'est réel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est inquiétant. Si nous vous montrons encore ces choses, c'est pas pour rigoler. C'est pour vous dire que le satanisme existe. Et c'est caché aujourd'hui dans la musique, mais nous sommes là pour vous, pour tout balancer.
On dit pour tout balancer, pour tout révéler. Parce que les enfants sont les plus touchés par ce domaine, par ce phénomène. L'enfant, il regarde, il ne comprend pas. Automatiquement, lui, il se dit que c'est une bonne affaire parce que cette personne est célèbre et tout le monde l'apprécie. Oh, ce n'est pas le cas. Elle insulte les gens. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça veut dire que cette personne qu'elle a devient comme une marionnette de Satan. Une personne pilotée par les démons qui ne veulent pas vraiment voir bien ou qui ne vous aiment pas en réalité, mais qui fait semblant de vous aimer. Vous voyez? Comment ça s'appelle ce doigt-là? Les gens l'appellent le doigt d'honneur. Elle le fait à qui? Et pourquoi un œil toujours fermé? Ça peut vous paraître étrange. Ça peut vous paraître bizarre. Mais c'est pas là pour rien. Regardez comment les gens dansent. Regardez comment les gens se trémoussent. Regardez comment les gens bougent. Ils font de ces choses. On ne comprend pas. On se pose la question souvent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme des spectacles. En plein concert, les gens brûlent des bibles, ils déchirent des bibles, ça ne vous dit rien. Il y a un combat spirituel qui a lieu et c'est ce combat spirituel-là qui se matérialise ainsi. Regardez, on voit ici Mighty Ave. Mighty Ave, il veut Forbidden Knowledge. On dit son devenu très puissant dans les connaissances interdites. Quelles sont les connaissances interdites? Ça nous rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. En fait, il y a des connaissances interdites qui existent. Et ces connaissances-là, nous ne devons pas entrer en possession de ces connaissances, sinon nous allons entrer directement dans les profondeurs du monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu a demandé à Adam et Ève d'éviter le fruit défendu là, pour éviter les histoires. Est-ce que vous savez que on peut entendre les oiseaux parler? Oui, mais c'est une faculté qui est verrouillée par Dieu. Mais les satanistes, ils savent comment faire pour développer, ouvrir les oreilles spirituelles afin que nous, on puisse juste entendre les oiseaux. Oui, les oiseaux parler, même communiquer avec les animaux, juste connaître les langages. L'homme est multidimensionnel. L'homme est capable de faire tout, mais il ne doit pas tout faire, parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. Les clips que vous voyez, vous posez même la question, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir des artistes qui vont se mettre à se battre. On ne sait pas ce qui se passe. Ils se donnent rendez-vous quelque part, ils se battent. Ou ils organisent un combat. Et les femmes sont là, ils applaudissent. Et on leur pose la question, qui va gagner? Les fans sont là, oh, c'est telle personne qui va gagner. Tous ceux qui vont répondre à cette question sont déjà entrés dans le piège du diable. Le diable l'a eu. Deux personnes vont se battre, c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne affaire? Regardez ça. Ça, c'est le 666. On sait que toutes les personnes qui vont recevoir la marque 666 n'iront pas au ciel. Donc le diable est en train de toucher les célébrités pour faire la promotion de la marque 666, pour que ceux qui détestaient la marque 666 puissent l'aimer aujourd'hui. Le diable n'est pas bête. Et il veut avoir les gens qui sont faibles d'esprit et les gens qui n'ont pas la connaissance qu'il faut pour s'opposer à cela. Même Dieu nous a dit, ne vous affectionnez pas aux yeux des futurs des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand toi tu prends ton doigt pour faire la même chose comme ça, on va dire que toi tu aimes directement les démons parce que tu aimes leurs œufs. Et tu ne peux pas aller au ciel avec les choses pareilles. Tu ne peux pas entrer au ciel avec ça. À condition que tu les aies abandonnés. Et ils ont bien indiqué 666 ici. Vous pensez que c'est pour rien? Eux-mêmes ils ont créé le truc, ils disent que ça s'appelle 666. Mais quand tu as discuté, tu as dit non, on voit ça au premier degré, au deuxième degré. Mon ami, ça signifie 666. Ce n'est pas le maillot de quelqu'un, ce n'est pas le numéro de quelqu'un qui est sur son maillot. C'est la marque du diable. Va lire la Bible, le livre de l'Apocalypse, tu vas voir. Au départ, on ne savait pas toutes ces choses. Mais c'est un jour, quelqu'un est venu tout cracher. Parce que le temps de Dieu est venu
pour que le peuple parvienne à la connaissance. C'est pourquoi nous faisons même cette vidéo, ces genres de vidéos, hein, sur Nyansoubonne. Même d'autres vidéos encore vont venir. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous mettez maintenant la cloche et soyez prêts. Partagez surtout cette vidéo aussi, soyez prêts. Regardez comment les gens sont venus faire. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? Quand cette chose est apparue, tout le monde s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est? Si vous voulez savoir, ça c'est un déguisement. Bon. C'est un costume. C'est une fête. Tout le monde fait pour un gros designer. En guillemets. Et ça, c'est fait de chair fraîche. La chair fraîche, regardez. C'est de la chair fraîche. Une personne qui va se lever pour porter un vêtement qui est conçu avec de la chair toute fraîche. Et qui va même venir s'asseoir à un spectacle où il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes frères et sœurs, nous assistons à la révolution spirituelle. Et c'est ça. C'est ça. Ah! Les gens veulent apprendre à faire de la magie, à faire de la sorcellerie, même à faire des pâtes avec le diable parce que dans tous les essais, ça ne marche pas. Quand vous êtes dans ce domaine, le diable vous amène à faire les choses que vous ne souhaitez pas faire, comme ce que vous voyez ici. C'est ça. Et les gens vont vous dire, oh, c'est chic, oh, tu es fou, tu es joli. Oh, toi et moi, quand on regarde ça là, on sait que c'est vilain. Tu vois ce qui est bleu, ils appellent la chose bleue, tu appelles la chose marron, bleu, violet. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec toi? Et aujourd'hui, c'est ça. Regardez, juste là, même à l'arrière, regardez ça. Voici. Aujourd'hui, les chrétiens sont face aux gens qui ne sont pas chrétiens. Et regardez ce que comment ces gens-là s'habillent. Donc, les chrétiens sont face à des gens qui sont en train de travailler pour le royaume du diable. Et le royaume du diable est en train de travailler sur les chrétiens. Parce que les chrétiens, au lieu de condamner toutes ces choses, ils ont décidé de les accepter. Et le diable et ses démons, et même ces gens-là, sont en train de prendre le dessus sur les chrétiens. Au point où les chrétiens sont en train de rester derrière. Et même les chrétiens représentent de tels signes-là souvent. Vous allez voir ce qu'on appelle les prophètes sur Internet. Vous allez les voir avec de tels signes, les mêmes signes. Il dit que les pasteurs doivent représenter les mêmes signes que ces signes sont aussi à chaque fois. Pour ça, vous devez savoir qu'on reconnaîtra les vrais prophètes et les faux prophètes au travers de leurs yeux. Si vous voyez un seul exemple prophète ou un pasteur fait la même chose comme ça, ce n'est pas pour rigoler avec vous. Ce n'est pas pour rigoler avec vous. C'est pour vous montrer son appartenance au monde des ténèbres. Parce qu'il y a des pasteurs sorciers et des satanistes. Et ces gens-là sont en train de dominer le peuple. Et vous voyez ce qui se passe dans les musiciens nommés. Ces genres de choses sont réelles. Le diable a décidé de s'attaquer plus aux enfants qu'à nous, les grandes personnes. À ce moment, quel est votre âge? Peut-être que vous êtes une personne adulte. Quand vous regardez ce genre de choses, vous comprenez facilement. Même vos enfants, eux, ils ne le savent pas. Parce que vous ne prendrez jamais le temps de leur expliquer ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Il y a plein de choses que nous avons envie de vous montrer. Nous cherchons encore des choses qui pourront vraiment vous intéresser. Et ici, nous voyons une femme qui est juste là, assise. Et cette femme, elle est en train de parler d'une chose que les gens ne comprennent pas. Ah, de quoi parle-t-elle? En fait, elle parle d'une personne qui vient en elle. Elle dit que vous la voyez là, tranquillement, joviale, mais elle est une personne qui vient en elle. Et cette personne a même un nom. Elle arrive à poser avec cette personne, et parfois elle demande à cette personne de partir, de quitter son corps, mais cette personne refuse de partir, tout simplement parce qu'on l'a invoqué en mort. Et cette personne-là, vous poserez la question de ça, mais qui est cette personne? Mes frères et sœurs, c'est un esprit mauvais qui a été invoqué ici. Les gens disent que c'est ici. En tout cas, c'est invoqué là. Quand les gens font des pactes avec le diable, ils reçoivent des démons aussi. Hein? Il y a des démons qui viennent même les habiter pour qu'ils puissent bien faire le travail qu'ils doivent faire parce que c'est celui de pervertir la race humaine, surtout les jeunesses. Ils veulent faire en sorte que les jeunes, les enfants,
deviennent des rebelles. Des rebelles. Des, ou encore des ennemis de Dieu. C'est comme le diable, il veut que les gens soient son fan. Quand une star vient chanter à la télévision et qu'elle chante bien, toi tu commences à l'aimer. Quand tu vas te mettre à l'aimer là, tu aimeras le diable directement parce que cette personne a signé un pacte avec le monde des ténèbres. Et cette personne a été de travailler même avec un démon qui la possède. Et c'est réel. Comment les gens peuvent-ils venir faire un spectacle où ils sont habillés comme ça en cagoule? Ils sont, ça c'est cagoule, ils sont comme si c'était une loge. On voit même des prêtres. On voit même un prêtre qui est là. Une personne qui va être suspendue comme ça. Une personne qui va être en lévitation. Et les gens ne se posent pas la question de ça, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie? Comment c'est possible? Parfois même la sorcellerie même se montre au grand jour, mais les gens ne savent n'arrivent pas à découvrir que c'est la sorcellerie. Et même les gens ne veulent même pas ça, ne veulent même pas qu'on parle de ça. Les gens ne veulent même pas qu'on dise qu'il y a la sorcellerie même dans la musique aujourd'hui. Les gens sont des. Les musiciens sont des sorciers. Oui. Il y a même des gens qui sacrifient leurs fans à chaque fois qu'ils finissent leur concert. Et ces gens toujours sont réels. Il y a des signes qui ne tombent pas. N'avez-vous jamais vu ça genre de choses quelque part? Moi, ça m'étonne aussi. Parce que je suis un grand fan de ces gens de personnes, de ces genre de choses. Moi, il me disait avant que juste écouter le son, c'est ce qui m'intéresse. Mais finalement, on a découvert qu'il y a même des démons de l'enfer qui sont en train de jouer à la batterie en ce moment. Ils sont en train de s'imaginer comment créer des musiques de sorte que les gens puissent aimer leurs œuvres. Si le diable sait que tu aimes beaucoup de la bonne musique, il va t'offrir de la bonne musique. Si le diable sait que tu aimes voir les femmes nues dans les clips, il va t'offrir des femmes nues. Mais tu ne vas pas manquer de voir ces signes sataniques que tu vois à l'écran. Ça va toujours apparaître là pour te dire que tu sais ce que tu es en train de regarder. Pour tu sais ce que tu es en train de faire. Et tu sais ce qui se passe. Parce que ça, c'est censé montrer la présence du diable. Ce n'est pas là pour rien. Et tu as beaucoup de célébrités ici sur l'écran comme ça. Qui reprennent les mêmes choses. Ou ne savent pas poser la question de ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi tout le monde fait la même chose? Ça m'étonne, hein? Dis à ton voisin qui a écouté, ça m'étonne. Dis à ton cousin qui a écouté, ça m'étonne. Dis à tous ceux qui sont à côté de toi, ça m'étonne. Et partage cette vidéo à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Si tu veux réussir, sache que ça ne sera pas facile. Mais avec Dieu, tu peux le faire. Tout sauf le diable. Tout sauf entrer dans le monde des ténèbres. Tout sauf voir son âme au diable. Regardez ce que les gens sont amenés à faire après. Même on peut dire qu'elle est nue. C'est le satanisme. Une personne qui est devenue nue. Te mettre nu et faire un clip, est-ce que c'est une bonne affaire? Même avant de faire le clip, on te dit qu'il faut tuer quelqu'un. Et voici comment ces gens sont représentés aujourd'hui. Avec des cornes. Et ils appellent cette histoire le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Et ils apprennent, ils cherchent à savoir comment faire pour faire le sale. Parce qu'au fur et à mesure, il faut le sale. Ou des choses mauvaises pour pervertir la jeunesse. Eux, ils sont récompensés. L'argent rentre. Et ça sera leur habitude. Vous ne manquerez pas de voir ces choses désormais. Désormais, vous ne manquerez pas de voir de telles choses. Un œil fermé, des cornes. Les gens apprennent à faire du satanisme. Si aujourd'hui, toi, tu me dis que tu ne sais pas ce que ça veut dire, je vais te dire, mon frère, il ne faut pas mentir. Si ma soeur, tu ne sais pas ce que ça veut dire, je vais te dire, ma soeur, il ne faut pas mentir. Tu verras, nous verrons tous ces symboles occultes dans les clips. Faites attention. Et montrez ces choses à vos enfants. Appelez vos enfants. Dites à vos enfants de venir regarder. Viens regarder cette vidéo, mon fils. Si tu aimes les tel clip, c'est bien. On ne te demande pas de les détester. Tu peux même prier pour ces gens de personnes afin qu'elles puissent être délivrées. Mais nous sommes en guerre. Il faut savoir que nous sommes en guerre.
Et les sorts sont lancés. Des gens se présentent en plein jour comme des satanistes, comme des ritualistes. Tu vas te poser la question, ça, mais pourquoi chaque fois tu représentes tous ces symboles? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que sans ça, tu ne peux pas faire ton clip? Jamais. Sans ça, il ne peut pas faire son clip. Sans ça, il ne peut pas faire son clip. Tout simplement parce que quand tu fais le pacte avec le diable, les démons veulent que tu mettes les signatures dans tes œuvres. Si c'est un clip, il y aura forcément ça. Des symboles occultes, des symboles cachés, tout ça. Si c'est un son, une chanson, dans la chanson, il y aura une parole que beaucoup de personnes ne comprendront pas. Et ce sera des incantations qui vont faire appel aux démons. Dès que tu écoutes ta musique, dès que tu appelles le démon, dès que tu entres dans la musique et tu commences à aimer ces stars, tu commences directement à aimer le diable directement. Ou encore le démon qui anime cette personne parce que ce démon-là est toujours présent dans les spectacles et partout où les gens qui signent des pactes avec le diable sont. Un sorcier, c'est une personne qui a vendu son, qui a livré son esprit à Satan et qui reçoit en contrepartie un démon qui le possède, qui l'amène à faire des choses qui sont mauvaises. Et cette personne est préparée à offrir des sacrifices de vie humaine à Satan. C'est-à-dire que tout sorcier est possédé d'abord par un esprit mauvais, un démon. Et ce sorcier-là, ils vont lui demander de fuir des gens en sacrifice. Et imaginez si c'est une personne célèbre. Qu'est-ce que cette personne va offrir aux gens? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va offrir aux gens? Qu'est-ce qu'elle va vous offrir? Elle va vous offrir de nouvelles doctrines ou elle va vous apprendre comment faire pour servir les démons ou comment faire pour devenir d'abord sorcier. Et cette personne va vous lancer la sorcellerie en plein spectacle. Regardez ce qui se passe. Les gens sont là en train de danser, en train de chanter et regardez ce qui se passe. Venez le voir. Elles sont en train de se regarder. Et à un moment donné, elles vont s'embrasser. Mes frères et sœurs, les gens vont se lever pour dire « Oh, faut nous laisser faire ce qu'on veut. » Mais nous tous, on sait que c'est mauvais. Abonnez-vous pour ne pas vous faire chier.